C'est déjà dit de pas y aller le ventre vide, surtout si t'as pris des tranquillisants. T'as pris des tranquillisants? Ça va aller. Attends, Sarah, si tu supportes pas, c'est pas grave. Rose te signe une déclaration de présence et puis voilà. Ça va aller, je dis. Le docteur Rose Ponton, il y a un empêchement. Je la remplace au pied levé. Manuel Rivière. Qu'est-ce qu'elle a? Je sais pas, on m'a pas donné de détails. Je suis désolé, capitaine. Lieutenant Oasis, Sarah. Enchantée. Bien. Si vous me disiez ce qui est arrivé à ce pauvre Frédéric Berthaud. Son corps a été découvert ce matin par des skateurs dans une traboule de la Croix-Rousse. En état? Oui, pratiquement. Son pantalon était baissé, son appareil génital était sorti. Préparation maison. Ça devrait vous aider à supporter l'épreuve. Comment vous l'avez identifié? Le portefeuille dans la poche de sa veste. Il y avait 200 euros en liquide dedans. Et si c'était une jeune femme? Penseriez quoi? C'est pas un crime sexuel, probablement. On va voir ça. Autopsie de Frédéric Berthaud, 21 mars 2007, 10h43. Multiples incisions. Environ une dizaine. Pratiqué à l'aide d'un cutter ou d'une lame effilée. De droite à gauche et de haut en bas. Apparemment un droitier. A priori, toute post-mortem. Comme si l'agresseur s'était acharné sur le cadavre de sa victime. C'est des choses qui arrivent, hein. C'est leur putain de crème. Ah oui. Ah bah, suis-toi, on dirait que t'as de la morve. Comment il a réagi? Qui? Qui, à ton avis? Il a fait ce qu'il fallait faire. C'est-à-dire? C'est-à-dire, on t'a posé sur le lit, il a ouvert ta chemise, t'as été la jugulaire et puis... Et puis t'as embrassé sur la bouche et tu t'es transformé en grenouille. Non, tu fais chier, ça. Oh, ça va, je peux rêver, hein.
Pour une fois, j'aurais bien aimé être à ta place. Ça a l'air d'aller mieux. Première fois que ça m'arrive. Tenez votre feuille de présence. Merci. Vous devriez surveiller votre tension. Éviter les émotions fortes pendant quelques temps. Vous pouvez copier mon rapport dans les plus brefs délais. Merci. Et bien sûr, vous pouvez compter sur ma totale discrétion, capitaine. Bienvenue au club, Rico. Je te préviens, ça. Si jamais tu dis quoi que ce soit à qui que ce soit. Mm-hmm. Bon, qu'est-ce que tu veux déjeuner? Pizza, kebab ou chinois? T'en fous, c'est toi qui invite. Dis donc. Rico? Ouais. Il y a ça qui arrive. C'est le rapport d'autopsie. Déjà? Il y a vraiment tout pour plus, ce mec. Anatomie pathologique, spécialisée dans le profilage lésionnel. Décoder, ça donne quoi? Le docteur Rivière fait une partie de ses analyses lui-même. Ça évite de perdre du temps avec le labo. Autre chose que j'aurais raté? Ouais, il porte pas d'alliance et les pieds nus dans ses mocassins. J'adore. Et en parlant d'alliance, t'as balancé la tête dans le road? Non, ça va pas, les peintures? Qu'est-ce que tu fais? J'appelle Rose, il y a un truc qui est pas normal, là. Oui? On vient d'arriver. Bon, ok, à tout de suite. C'est le patron. Il fait les pour ses quotas. Je devrais pas y aller, le ventre vide. C'est de l'humour, ça? Allez, qu'est-ce que t'as encore fait, Malik? C'est ta mère qui va pas être contente. C'est eux qui m'ont provoqué. Oh, les 20 grammes de poudre. T'as eu fantasme? C'est toi que t'as fait dans mon sac, enfoiré. Hé, hey, oh, doucement! Qu'est-ce qui t'arrive, mon frère? Oh, y a pas de frère ici, d'accord? Ah, t'aimes pas ça, là, Ziza, hein? Lâche-moi. Fais juste notre boulot, c'est tout. Ah ouais? C'est de vos jours. Blaireau, va. Blaireau, ah ouais? T'aimes pas la porte des chiottes, surtout. Oui? Juge Bernard m'a toujours pas donné le feu. De toute manière, les gonzes de la scientifique sont pas libres avant demain matin. Comme ça, on avait que ça à foutre. Comment je fais, moi? L'autopsie. Frédéric Berthaud, tué d'un coup de couteau dans le cœur. Le ou les meurtriers l'ont ensuite tailladé au cutter et ont balancé le corps dans une traboule. Où des skateurs l'ont retrouvé, ce matin. Et ils ont été convoqués, ceux-là? Ils sont mineurs, tant qu'on n'a pas la commission rogatoire. C'est long, tout ça, ça traîne. Pas de poils, pas de cheveux, pas de traces de pouce sous les ongles. Ah, si, on a retrouvé du sperme dans l'estomac. Du sperme? T'as raison, c'est un détail. Le médecin légiste a envoyé un échantillon au fichier ADN. On n'aura rien avant une semaine. Pourvu qu'on n'ait pas à faire un tueur de PD, il manquerait plus que ça. Oui. Oui, quittez pas. C'est pour toi, docteur Rivière. Cérébrale dans l'hémisphère droit entraînant une hémorragie. Les médecins ont préféré la plonger dans un coma artificiel. Elle va s'en sortir. Je vous laisse. Vous pensez qu'il y a quelque chose après la mort? Je suis censé être le plus qualifié pour répondre à cette question. C'est à vous que je pose la question. Honnêtement, je crois que le film s'arrête comme il a commencé. Que la lumière se rallume et que la vie continue. Mais sans nous. Et vous? Capitaine. C'est drôle. Presque tout vu, viol, agression, tout genre, suicide. J'ai encaissé pas mal de trucs assez lourds. Et je m'évanouis devant vous comme une jeune fille. Ça semble sympa. Votre mère est morte d'un accident cérébral, capitaine. Elle s'est suicidée en avalant des médocs, j'avais 11 ans. C'est le docteur Panton qui a fait l'autopsie. J'oublierai jamais ses paroles.
ni comment le macérer dans ses bras dans ce petit bureau sordide de la morgue. Quoi? J'ai fait un transfert maternel, c'est ça? Ben oui, je suis. Je me suis reconstruit grâce à elle. En tout cas, ce matin, c'était pas ça. Cadavre mutilé. L'odeur si particulière de la mort. Vous attendiez la présence rassurante du docteur Panton et c'est moi qui débat. Vous vous retrouvez comme à 11 ans, seul, face à toute cette violence qui vous submerge. C'est marrant, ça fait presque 20 ans que je travaille à la crime de Lyon. Et je n'ai pas souvenir de vous avoir rencontré. Je suis pas sûr que nous fréquentions les mêmes endroits. J'étais encore en poste à Avignon il y a 2 mois. Mar des cigales? Déception amoureuse. Vous savez, capitaine, la violence, c'est comme le poison de guêpe. Le corps l'accumule sans jamais l'évacuer complètement. Il suffit parfois d'un petit élément déclencheur pour provoquer l'overdose. Je veux combien pour la consultation, docteur? Et puis soyez gentil, arrêtez de m'appeler capitaine. Bien, capitaine. C'est pour moi. Absence non justifiée. Tu peux m'expliquer l'affaire? Bah bonsoir. Paco, je rigole pas là. J'étais au manif. Ça c'est plus important pour mon avenir, ces conneries de bahut de Bourges là. Si t'avais pas lamentablement piqué ta seconde, on n'aurait pas été obligé de te foutre dans ce bahut de Bourges là. Nous fonctionnons quand même un quart de nos salaires de petits fonctionnaires. Mais arrête, mais c'est des nazes. Attends, tu sais quoi, ils veulent qu'on mette une blouse maintenant. Ah bah oui, des fois qu'on voit plus ton beau caleçon débordé de ton jean, hein? T'as raison, et de pas foutre le faux bagnole. Mais je m'en fous des fringues, je veux que ça bouge, ok? Tu veux que ça bouge? Alors bouge ton cul. C'est la guerre. Je vais ramasser le courrier de temps en temps. 13 absences non justifiées. Eh ben, on va les justifier. Ouais, c'est ça. On va se faire virer. C'est tout ce que j'ai trop à dire. Tu vas? Tu m'as demandé de bouger. Bah, quand je bouge, j'ai TP de cocktail molotov. C'est trop dur avec lui, on dirait que t'as jamais eu 16 ans. Ah non, Anne, s'il te plaît, c'est pas le moment. Pensez jamais le moment, on parlait à notre fils, là. J'ai fait un malaise ce matin pendant l'autopsie. T'as vu un toubib? J'ai vu le légiste. Je fais de l'overdose de violence. Attends, je comprends pas. Quel légiste? Moi qui était là, j'ai cru que j'allais crever dans cette chambre d'hôpital. Quel hôpital? De quoi tu parles? Le Rose. Elle est dans le coma. Pourquoi tu me l'as pas dit? Mais je te l'ai dit. Tu m'écoutes pas. On a d'abord cru que c'était un clodo. Il y en a des fois qui sonnent dans les traboules. C'est toi qui as appelé les secours? David, moi j'avais la gerbe. Il y avait des taillettes de partout, puis son steak de vieux là. C'était immonde. Qu'est-ce que vous faisiez à cette heure-là dans une traboule? On vous l'a dit, monsieur, on allait au bahut. Pratique le skate pour dealer, hein. Ça passe partout? On dit le pas, monsieur. Ah oui? Ouais. Mais pourquoi vous avez pas attendu l'arrivée de la patrouille? Putain, il était crevé, ça fout la trou. Oh, tu vas voir. Qu'est-ce qui se passe? Non, tout va bien, madame. Vous inquiétez pas, c'est un simple malentendu. Tout le monde va se calmer, d'accord? Et on va reprendre depuis le début. Ok? Ça va? Non, non, vas-y, occupe-toi. C'est ta 5e clope en moins d'une heure. Tu crois vraiment que ça va aider Rose à s'en sortir? Pas s'en sortir. T'es bouleversé, Rico? Eh ben moi aussi, c'est pas une raison pour te conduire comme un as. Bon d'accord, j'ai dérapé, on va pas en faire une histoire. Il paraît que t'as encore fait un malaise hier soir à l'hôpital. C'est lui qui t'a appelé? Non,
c'est Anne. Mais regarde la route, putain, va moins vite. Anne, c'est nouveau ça. Depuis quand elle t'appelle sans rien me dire? Bon, tu voudrais pas faire un petit break? Tu sais, histoire de faire la révision des 50 000. Tu fais exprès? Arrête! Ils l'ont dit à la radio ce matin. C'est affreux. Je suis Madame Legrand, la voisine. Bonjour. Ça m'étonne pas de toute façon, avec la vie qui me naît. Oui, oui, oui. Si vous me laissez rentrer chez vous, je vais pouvoir prendre votre déposition. Je peux voir votre carte? Lieutenant Oasis, dis donc. Ça sent vraiment bon café chez vous. Ça va, Rico? Salut, Marc. Ça fait longtemps que t'es là? Oui, petite heure. On n'est pas couché, il y a des empreintes dans tous les sens. Des poils, des cheveux, une vraie partout, ça. T'es tout seul? Gilbert. Yo! Oh. Ah, Rico. Tu crois qu'ils font les mêmes pour hommes? Arrête tes conneries. T'imagines s'il avait les hémorroïdes? Peut-être qu'il le met à l'envers. Il paraît que la hyène a eu un accident. Le docteur Ponton est dans le coma, ouais. Ah, je suis désolé, c'est affectueux. Non, je sais. T'as fait le bureau? Oui, c'est clean, tu peux y aller. Toi, Gilbert, faudra penser à me scanner son disque dur. Je crois qu'il aura adoré ça, son pépère. Les feux, je les ratons, allez, tout le monde dans le même wagon. Ouais. Bon, à l'entente, Berthaud recevait un tas de gitons. Tous plus efféminés les uns que les autres, un vrai défilé. Et apparemment, il y en a un qui tenait la permanence depuis au moins 6 mois. Et devine quoi? Quoi? Il aurait mystérieusement disparu. Après une énorme scène de ménage, justement le soir où Berthaud s'est fait assassiner. Tu peux nous faire un portrait robot? Je l'ai convoqué demain au SRPJ. Ce qui m'a valu un joyeux couplet du genre « Dites-moi, mon petit, quel pays vous venez ?» J'ai répondu qu'une cigane bien blague m'avait déposé au pied du mur des Lamentations. J'ai cru qu'elle allait me gerber sur les pompes. Bon, bah, nous, on y va. Hein. Bon, à plus. Salut. Salut, diétiste. Oui, j'aurais aimé parler à Emmanuel Rivière. Arcadia. C'est marrant, je pensais justement à vous. J'aurais aimé vous parler. Mais là, j'en ai encore pour 2 petites heures, mais on pourrait se donner rendez-vous vers 20h30, au Matthews. Oh. C'est un vieux bar de Lyon. Non, non, mais je connais ce que... Ok, 20h30, d'accord. Très bien. Mais t'es pas en quoi? Qu'est-ce que c'est que ce bordel, là? Non, mais tu te crois où, là? Non, mais... Non, mais c'est bon. Pardon, je suis désolé, j'ai... Bonsoir. Vous n'êtes pas trop choqués?
vrai? Pas sans connaître la réputation de l'établissement. Tous les flics la connaissent. Comme ça, les choses sont claires. Elle était déjà. Papa. Au plaisir. Je suppose que vous avez découvert que Frédéric Berton n'était pas totalement inconnu. Imprévisible, docteur. Par contre, vous. Pourquoi vous m'avez rien dit? Vous dire quoi? Que j'avais pris des cours de physiopathologie avec le professeur Berthaud. C'était il y a 8 ans. Et nous étions des centaines dans ce cas. Tous homosexuels. Vous couchez avec toutes les femmes que vous rencontrez, capitaine. Vous êtes marié? Oui. Et fidèle. Depuis bientôt 20 ans. Non, c'est vrai. Allez. Je vous ai menti. J'ai failli vous le dire à l'hôpital. Vous ne m'auriez jamais rappelé. Et ce soir, je suis très heureux que vous l'ayez fait. Un acte manqué. Oh. Je suis pas homo, moi, c'est clair? T'as compris, ça? Oh, calme-toi, laisse-le tranquille! Dégage-toi! PD! Merde! Putain, c'est quelque chose, merde! Mais c'est bon, lui! Je t'en mets pas. Complètement merdé tout à l'heure avec Paco. Ouais, je sais, il m'a dit. Ça va pas, toi. Hein. Je suis allée à l'hôpital tout à l'heure. J'ai posé entre un chambre de rose. J'étais avec Emmanuel. Tu sais, le nouveau médecin légiste. Oui, et alors? Rien, rien, il est surprenant. Je suis sûr qu'il pleurait. Tu t'es cogné? Ce matin. Mère seule avec 4 enfants, dont l'aîné a été arrêté par tes cow-boys pour détention illégale de drogue. Elle risque la mise sous tutelle de ses allocs. D'abord, c'est pas mes cow-boys. Merci, je te fais remarquer que ton mari qui n'en est pas à son coup d'essai. Attends, il a jamais touché à la drogue, tu sais aussi bien que moi. 2 vols de portable dont un avec agression, si j'ai bonne mémoire. Ouais, mais il a payé pour ça. Visiblement pas assez. Donc vous lui foutez du shit dans sa musette, histoire de le protéger contre lui-même, Marion. Si c'est ça ton idée de la prévention, faudra pas s'étonner si je jette dans les bras du premier ayatollah qui passe. Tu mélanges tout, Anne. Et Sarah, qu'est-ce qu'elle en pense? Sarah, elle pense comme toi, mais elle peut pas être franchement objective. Hein. Parce qu'elle est arabe et noire? Oh, alors attention, Eric, hein. C'est pas interdit d'être lucide quand on est flic. Tu m'emmènes, je suis à la bourre. Ouais, prends le casque. Paco, je me suis conduit comme un con hier soir. Je voudrais que tu m'excuses auprès de ta copine. Bah, ça s'appelle Pénélope et je préférerais que tu fasses tes commissions tout seul. Quoi encore? Attends, t'en veux pas. Invite-la à dîner ce soir. Je prépare un chili, vas-y, fonce. Pas cool, oui. Ouais, j'arrive. Vous avez un nouveau message. Je suis vraiment désolé pour hier soir. Je vous rappelle dans la journée. Rico, t'en es où pour Berthaud? Je rends le bilan dans moins de 10 jours, moi. Et désolé pour vos quotas, patron, mais... Il y en a qui s'en charge, hein. Attends, Rico. Tu veux qu'on nous sucre des crédits? Tu trouves qu'on est trop nombreux à gérer la chienlit? Alors tu nous fais des résultats et pas des leçons morales, ok? Ok. Vous avez donc décidé de vous spécialiser dans la médecine légale? En fait, je voudrais devenir profiler et on nous demande de suivre un cursus de physiopathologie en parallèle de nos études de psychopathologie criminelle. Vous êtes nombreux dans ce cas? Bah, une bonne 15aine sur Lyon.
Est-ce que vous aviez des rapports personnels avec le professeur Berthaud? Tout dépend de ce que vous entendez par rapport personnel. Vous baisiez avec Frédéric Berthaud? Non, désolé, nos rapports physiques se limitaient à la stricte pathologie cellulaire. Berthaud prenait sa mission très au sérieux. Au point de vous recevoir bénévolement chez lui, plusieurs fois par semaine? Et aucune compensation, en nature? Non, non, il n'a jamais eu le moindre geste ou le moindre mot déplacé. Vous saviez que Berthaud avait un compagnon? Il a toujours été très discret. Mais la veille de ma soutenance de thèse, je suis resté un petit peu plus tard pour travailler. Un homme d'une trentaine d'années a débarqué, comme ça, dans le bureau. Avec des provisions plein les bras, j'ai bien cru qu'il allait me les envoyer dans la gueule. Comment Berthaud a réagi? Avec une certaine classe. Il s'est excusé poliment, puis il l'a rejoint dans la cuisine. Ils se sont engueulés comme des gueux. Vous reconnaissez cet homme sur cette photo? Peut-être formel. On n'oublie pas si facilement un mec qui vous traite de petite pute. Ma collègue va vous diriger vers un spécialiste qui va établir un portrait robot. Oui? Vous voulez m'excuser pour ce matin? Qu'est-ce que vous avez tous à vous excuser aujourd'hui? Écoute, les autres, je sais pas, mais moi, je voulais dire qu'on a réussi à préserver les allogues pour la mère de Malik. Ah, bah tu vois, tout s'arrange. Bah écoute, je suis en plein boulot, là. Oui, oui, je te dérange pas plus longtemps. T'oublie pas pour ce soir? Quoi, ce soir? Le chili, Pénélope. Ah oui, oui, non, non, t'inquiète pas. Bon, je t'embrasse. Hé, c'est quoi l'embrouille? T'arrives avec une plombe de retard, t'arrêtes pas de consulter ton portable. Et tu me sors un putain de saucière de ta manche, d'où elle sort cette photo? Tu vois bien, elle sort de chez Berthaud. De quoi t'as peur, Rico? Qu'on accuse ton légiste de meurtre, c'est ça? Monsieur Sarah, j'avais un doute, il est réglé, basta. Je suis désolé. On fait plus jamais ça. Bon, on va voir le portrait robot. Alors? Ben, effectivement, il est jeune, mais pas à ce point-là. Les yeux plus graves. Les yeux plus chien battu. Oui, c'est ça, c'est l'homme que j'ai vu chez Berthaud. Vous êtes sûr? Aziza, certain. Il y a une cliente pour toi. C'est Madame Legrand. Ah, putain, je l'avais zappé celle-là. Ouais, bah t'es gentil, tu t'en occupes. J'ai passé la journée à guetter mon portable. Tu crois ça? Ça n'a pas de sens. Et en plus, ce salaud, il joue avec moi. D'abord, c'était à moi de m'excuser. Comment vous avez eu mon numéro de portable? Vous avez bien eu mon adresse. Pourquoi vous m'avez pas rappelé, hein? Pour être sûr de me revoir? Pour que je m'humilie à venir jusqu'à chez vous, c'est ça? En fait, c'est ça qui vous excite. Écoutez, je sais pas exactement ce que vous pensez des gens de mon espèce. Mais le fantasme du flic macho, c'est pas du tout mon truc. Soit vous entrez, parfaite connaissance de cause. Soit je vous demanderai de sortir de ma vie. Définitivement. Affaire. Désolé, j'ai pas dû me libérer avant. Désolé, Salomé.
C'est Pénélope. Enfin, c'est pas grave, c'est l'intention qui compte. Pénélope. Attends, c'est lui qui t'a invité. Soi-disant pour s'excuser, tu parles, ouais. Bien sûr qu'il avait quelque chose de plus important à faire. Le problème, c'est que ça fait 17 ans que ça dure, ça. Paco. Putain, mais combien de Noël et d'anniversaires on a fêté sans lui? Et la finale de la Coupe de Gerland, il était où? Même à l'enterrement de mamie, il a trouvé le moyen d'être à la bourre. C'était quoi l'excuse? Meurtre? Suicide? Je suis flic, Paco. Et moi, j'ai honte d'être ton fils. Vas-y, viens, on se casse, là, il commence à me gaver. Viens, viens. Avec Sarah? C'est quoi, c'est un interrogatoire? Bien sûr que j'étais avec Sarah. Ce que j'ai appelé la PJ. Elle a bien essayé de couvrir, mais le cœur n'y était pas. D'accord, j'étais pas au bureau. Il fallait absolument que je le voie. Qui ça? Pourquoi tu me poses une question dont tu connais la réponse? Et toi? Pourquoi tu me dis pas que t'étais avec cet homme extraordinaire qui lit en toi comme dans un livre ouvert? Justement pour éviter ce genre de débat à la con. Ah bon? Bah alors où est le problème? C'est toi le problème. C'est toi le problème. J'ai l'impression d'être devant un tribunal. En gros, c'est moi qui t'oblige à mentir, c'est ça ? Arrête, arrête, Anne. Si je t'avais dit que j'étais avec lui, Dieu sait ce que t'aurais été capable d'imaginer. Et qu'est-ce que je dois imaginer, justement ? Que t'es en train de tomber amoureux d'un mec, c'est ça ? Mais vas-y ! Dis-le ! Dis les mots ! Et au moins ce courage ! Merci. Quelle attention. J'ai besoin de compenser. Oui. Compenser quoi? Mon boulot, mon mec ou bien ta famille? Anne m'a appelé hier soir. Oui, je sais. Mais t'es gentil, tu comptes plus sur moi pour te couvrir. Je t'ai rien demandé, ça. De toute façon, elle t'a pas cru. Mais attends, t'as vu dans quelle situation tu me fous? D'abord, t'étais où? Je sais pas bien. Attends, c'est pas vrai. Bon, merde, Rico. T'es la femme la plus bandante du monde. La plus brillante. Et toi, tu... J'ai quitté la maison. Je comprends pas ça. On devient pas PD du jour au lendemain, pas toi. Ouais. Ouais, ouais, d'accord. Mangin nous attend à la Casbah, il y a un cadeau pour nous. En tout cas, moi, si mon mec me faisait pareil, je viderais mes chargeurs dans les couilles. Qu'est-ce que vous foutiez? Il s'appelle Régis Larty. On l'a arrêté cette nuit à Vienne pour racolage actif dans les toilettes d'une brasserie. Les collègues nous ont prévenus dès qu'ils ont vu le porteur au bout, vous avez fait diffuser. Chauvin! Donnez-moi les clés. Et le client? Ah, c'était un flic. Les collègues avaient monté le coup. Capitaine Mercadier, lieutenant Oasis. Vous avez un avocat? Non, pas tant que la garde à vue n'a pas été prononcée. Dommage. J'ai un client qui fait ça très très bien. Vous n'avez pas de cigarette? Ou un truc à sucer? Et une haleine de hyène? Ouh.
Ah, on a le droit, le public? T'as mon autorisation. Merci. Qu'est-ce que tu faisais dans la nuit mercredi à jeudi? Ah, dégueulasse. C'était à Lyon. Hey, il y a au moins 5 personnes qui peuvent le confirmer. Frédéric Berthaud, ça te dit quelque chose? Vous savez, j'ai pas l'habitude de leur demander leur papier d'identité avant de les sucer. Ça te rafraîchit la mémoire? Ah ouais, ouais. Hey, je les connais, lui. Ouais, j'ai dû me le faire une fois ou deux. Hmm? Dans un patrou. Pourquoi? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Alors... Bah, c'est pas le Jagger qui l'a tué, ce pauvre pépère. D'après les témoins, hein? Berthaud aurait viré son micheton quelques heures avant le meurtre. Et tout versant comme deux gouttes d'eau. C'est ballot. Ouais, c'est ballot. C'est ballot, mais moi, je viens avec personne. Surtout pas avec ces vieux pédés qui prennent leur mépris pour du plaisir. Je suis une Amazone, moi. Je suis libre et sauvage, comme le vent du désert. Vous avez subi des violences sexuelles dans votre enfance? Qu'est-ce que vous voulez entendre, lieutenant? Que ma mère était toute seule pour élever ses 5 mômes? Que mon oncle nous rendait visite de temps en temps déguisé en Père Noël? Et que j'ai très vite compris que j'étais le prix à payer en échange de sa monstrueuse générosité? Ah, quoi, ça vous suffirait pour m'inculper du meurtre de ce pauvre... Berthaud. Tu vas pouvoir appeler ton avocat. J'espère qu'il est aussi bon que tu le prétends. Ah, j'ai oublié de vous dire un truc, les amis. À partir de maintenant, tout ce que tu vas dire peut être retenu contre toi. J'adore ce genre de phrase. Mon oncle, on l'a retrouvé au fond des gorges de l'Ardèche. Éclaté. Comme une pastèque. Eh ben, on n'a jamais su ce qui s'était passé. J'ai pas dormi cette nuit. Alors, si tu continues avec ce rire... Ah! La porte. Eh ben voilà, on l'a. Chauvin. Vous êtes sûr qu'il ne peut pas me voir? Absolument, madame. Bien. Alors je dirais le numéro 2. Madame Legrand, on est bien d'accord qu'on ne joue pas au loto. Le numéro gagnant n'est pas forcément sur la grille de départ. Pour qui elle me prend celle-là? Il avait toujours ce petit sourire méprisant quand je le croisais dans l'escalier. Merci, madame. Raccompagnez madame Legrand. Attendez 5 minutes avant d'introduire le témoin suivant. C'est enfoiré à tout foncer avec son sourire à la con. T'as changé de numéro? Qu'est-ce que tu cherches, toi? Si tu ne me gommes pas immédiatement ce sourire de Tarlouse, c'est moi qui m'en charge. Oh, oui. Et vous étiez personnellement destiné, capitaine. Allez, déconne pas, c'est bon, la slow. Tu crois vraiment que j'avais besoin d'une bavure en ce moment? J'ai bien vu ce qui s'est passé. Tu ne comprends pas que c'est exactement ce qu'il cherchait? Non seulement d'apporter plainte contre toi, mais vu ce que tu lui as mis dans la tête, on peut même plus te présenter pour identification aux autres témoins. Tu t'es fait niquer comme un bleu, Rico. Ça va, la vie, elle a formellement reconnu. Il a carrément allumé ses warnings. Et n'importe quel avocat un peu dégourdi va jouer le délit d'homophobie caractérisé. Bah, vous voulez quoi? Ma démission? Non, non, je te suspends pour 15 jours. Prions Dieu pour que les tests ADN démontrent que c'est bien le sperme de ce fils de pute qui stagnait dans l'estomac de Berthaud. Tu penseras à rendre ton flingue à l'armurerie. C'est quoi ton problème avec les pédés, Rico? Tu peux expliquer le dépôt de plainte d'un certain Alain Joubert qui prétend avoir été sauvagement agressé à la sortie de Matthews par un homme dont le signalement et le numéro d'immatriculation correspondent à un certain Éric Mercadier. Alors, par bonheur, ce brave Joubert a suffisamment de casseroles au cul pour que j'ai pas trop insisté pour qu'il retire sa plainte. Ça va être plus dur avec l'article. J'ai dérapé, je suis prêt à assumer toutes les conséquences. Alors, je te donne l'occasion de mettre un peu d'ordre dans ta tête. Profites-en, Rico.
J'ai été viré de chez moi et suspendu de mes fonctions. J'ai un peu hésité entre la corde et le gaz, et puis... Puis finalement, j'ai opté pour le week-end gastronomique dans la région, si le cœur t'en dit. T'es sûr? Donc ça te fasse peur de t'enfuir avec un flic homophobe? Pléonasme. Excuse-moi de venir te déranger ici. Non, ça va. On se connaît pas bien, tous les deux. Mais je veux que tu me dises la vérité. De quoi tu parles? Je suis en train de perdre mon mari, Sarah. Non, s'il te plaît. Attends, Anne, tu vas pas croire que Rico est... Non, non, non. Même si j'y ai souvent pensé, je sais qu'il est pas amoureux de toi. Je te demande pas de le trahir, Sarah. Je veux juste comprendre. Bon, d'accord, mais pas ici. Monte. Tu savais que le cerveau d'Einstein avait été volé par le légiste chargé de faire son autopsie? Thomas Harvey. Il s'est fait virer quand l'administration a découvert le vol, mais... Il a réussi à garder bien au chaud son trophée dans du formol. Il l'a rendu à la famille d'Einstein quelque temps avant sa mort. Qu'est-ce qu'il espérait? Découvrir la source de son génie? Et pourquoi tu me racontes ça? Personne ne peut violer les secrets de ton Amérique. Même avec un scalpel. Alors pourquoi ils me regardent tous comme si j'avais une merde de chien sur la tête? C'est pas sûr, mais dans la tête que ça se passe. Ils voient que ce que tu leur laisses voir. Un homme brisé en deux, coupable de ses émotions. Un homme qui transpire la honte. Je supporte pas. Je t'aime, Eric. C'est rien qu'un fantasme à la con, ouais. C'est pas possible. Tu te souviens, il y a 5 ans, quand j'ai pété les plombs à cause d'Arthur, tu m'as conseillé d'aller voir un psy. Tu parlais du tien avec tellement d'amour, tu disais qu'il t'avait sauvé la vie. Bah, lui, c'est peut-être pareil. Non. Tu mélanges tout ça. Ça n'a rien à voir avec un passage à l'acte amoureux. Et je sais de quoi je parle. T'as déjà trompé Rico? Oui. Comment il a réagi? À ton avis. Il faut que je t'avoue un truc. J'ai été très attirée par Rico. Oui, je sais. Il m'a dit. Contre toi, je pouvais lutter, Sarah.
Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse contre un homme? J'arrête pas de l'imaginer en train de le caresser. Ça me dégoûte. Tu lui as dit tout ça? En gros, oui. Il faut que je lui parle, Sarah. À l'autre. S'il te plaît. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. J'ai une réservation au nom de Mercadier. Oui. C'est ça, oui. Deux chambres communicantes, la 7 et la 8. Vous désirez qu'on vous monte le petit déjeuner? Finalement, on va prendre qu'une chambre. Oui. Ce sera la chambre 8. Merci. Merci. Que tu connais la fable de l'âne de Buridan? Non, enfin, ça me rappelle vaguement quelque chose, ouais. Alors, après une longue marche dans la montagne, un âne arrive à une sorte de croisement. À droite, une source d'eau claire. À gauche, un picotin d'avoine. Incapable de choisir entre la faim et la soif qu'il tenaille également, le pauvre animal finit par mourir d'inanition. Voilà. Laisse-moi encore un peu de temps. C'est ton histoire d'hier soir. C'était un peu plus compliqué que ça. Je sais. Non. Non, je me sens libre avec toi, Emmanuel. Parce que contrairement à ce que t'as l'air de penser, c'est peut-être la première fois que je fais un choix dans ma vie. Certains appellent ça amitié. C'est peut-être très bien comme ça. Toi, c'est jamais capable de crever. Tu fais quoi? Je peux pas me permettre de bousiller mon outil de travail. J'appelle une dépanneuse. Elle est où, ta route de secours? Quel est le connard qui m'a tiré ces boulons? Merde, là. C'est pas moi. Tu veux un peu d'eau? Fais chier avec ta bouteille de merde, là. Calme-toi, Eric. Tiens, Eric, calme-toi, mec. Tu veux le faire, toi? Eric, qu'est-ce que tu fais, là? Quoi? Ça te dégoûte? Ah bah oui, c'est pas des marmes, là, tu sais que t'as peur de te salir. Eric, arrête! Eric, arrête, merde! Arrête, merde. Il a peur de salir. Je joue pas au con! Ne fais pas le con, putain! Ne m'emmerde pas! Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Ne m'emmerde pas! Ne m'emmerde pas! Fais pas chier! Tu veux jouer? Tu veux jouer? Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu... Rentrer. Excuse la tenue, j'étais en train de passer à l'aspiro. Mmh. Café? Oh oui. Autrement, ça a l'air d'aller. C'est gentil de t'en inquiéter, merci. C'est surtout pour Anne que je m'inquiète. Tu pourrais au moins l'appeler. Il paraît que Paco vit assez mal la situation. Et sinon? Il
L'artigue a été relâchée ce matin. Et l'ADN? C'était pas son sperme dans l'estomac de Berthaud. Donc il n'a pas été identifié? Non, l'étudiant l'a pas reconnu. Du coup, on l'a représenté à la mère Legrand. Elle a formellement identifié le lieutenant Faouji, qui portait la casaque numéro 3. On n'a strictement rien contre lui. Et toi, ton sentiment? Son arrogance, son dossier familial qui vient confirmer l'accusation de viol contre son oncle, c'est sûr que c'est le suspect idéal. Presque trop. Toujours toi qui dirige l'enquête? Oui. Le commandant m'a filé Lucas, en binôme. Non, ça va, c'est pas un mauvais bougre. Mais putain, qu'est-ce qui pue des pieds? T'as pris la clope? Non, non, tu vois, j'ai arrêté. Bon, écoute, Sarah. Je sais ce que tu penses, alors je vais être très clair. Avant de rencontrer Manuel, je n'avais jamais trahi Anne. J'en ai rien à foutre, Rico, chacun sa merde. Si, si, t'en as à foutre. Et puis moi, je te demande pas à qui tu penses quand tu baises avec Arthur. Ni si tu fantasmes sur moi, par exemple. Pédale. La femme d'Eric. Vous inquiétez pas. Je suis juste venue voir à quoi ressemble l'homme qui m'a pris mon mari. Je vous avoue que je comprends pas très bien. Peut-être parce qu'il y a rien à comprendre. Et comment j'ai pu être aveugle pendant toutes ces années? Écoutez, plus loin que je me souvienne, j'ai toujours été attiré que par des hommes. Ce qui n'est visiblement pas le cas d'Eric. Si ça peut me rassurer. Mon mari baise avec un homme et je devrais être rassurée. Je me suis jamais sentie aussi humiliée. C'est comme s'il me trahissait doublement. Vous comprenez? Vous sentiriez moins blessée si j'étais une femme? Nous sommes profondément amoureux l'un de l'autre. Vous n'y êtes strictement pour rien. Vous pouvez lui transmettre un message? Oui. Oui, oui, c'était bien. Ne dis pas que t'as été insensible à ces voix célestes. Don Giovanni, la preuve définitive de l'existence de Dieu. C'est moi, j'ai grandi avec Claude François et Adamo. Tu crois que je te vois pas venir, hein? Moi, Bobo, toi, Prolo. Tu sais que ma mère était veuve à 30 ans. Qu'elle faisait des ménages pour nous élever. Ça l'a pas empêché de nous transmettre son amour des belles choses. T'as eu de la chance. Oui. T'es une femme très courageuse. Comme ta femme. Tu connais Anne? Elle est passée à la morgue. Elle est prête à tout pour te reconquérir, Eric. T'as peur? Oui. Rico? Ah, bonsoir. Tu es en pleine forme. Tu ne présentes pas ton ami? Oui, pardon. Emmanuel Rivière, qui remplace le docteur Ponton. Ravi de vous connaître. Bien que je pense que Rousseau est remplaçable. Et le commissaire Mangin et son épouse. Bonsoir, madame. Bien, bien. Bonne fin de soirée. Dans la famille Connard, je voudrais la mère. Alors, sushi ou boutonnesque? Je peux choisir. Ouais. Thank you.
Il y a un truc qui marche pas. Je croyais que tu dormais. Je repensais à votre histoire. Quelle histoire? Berthaud. Les gays de sa génération ont morflé avec le sida. Et crois-moi, ceux qui ont survécu se protègent. Je sais pas où tu veux en venir. Ça veut dire que le sperme dans l'estomac de Berthaud appartenait à quelqu'un qui connaissait bien. C'était pas un inconnu, le type. Bon, admettons, et alors? Ça fait 8 ans que je fais ce métier, Eric. Des crimes passionnels, j'en ai vu de toutes les couleurs. J'ai jamais vu un tel acharnement sadique. C'est difficile d'imaginer Berthaud ayant une vie de couple normale avec un psychopathe. Vas-y, va au bout du raisonnement. Bah, le portrait robot. C'est celui de l'amant de Berthaud, pas forcément celui de son meurtrier. Portrait robot? Parce que tu fouilles dans mes affaires maintenant. Et dis donc. Si tu voulais pas que je le trouve. Hein? Le portrait robot. Fallait le mettre ailleurs qu'avec les capotes. Pourquoi tu m'as pas demandé directement si je le connaissais? Parce que tu m'auras répondu que tu ne connaissais pas tous les PD de l'univers. Non? Mmh. Oui, mais je m'en fous d'avoir l'air d'un homme. De toute façon, c'est ce que je suis devenu. Bien sûr, je l'aime, ce mec. Ah oui. Tu te rends compte qu'on pourrait être amoureux du même homme? Non, je sais ce que tu penses, mais tu te trompes. Si Anne ne vient pas, c'est parce qu'elle supporte pas de te voir comme ça. Mais elle t'aime vraiment, tu le sais. Ouais, c'est comme ça. La vie est trop courte, ma Rose. La vie est trop courte. Merci. Maintenant, si tu veux bien m'excuser. J'ai besoin de te parler 2 minutes. Je te pardonne, tu me pardonnes. Qu'est-ce que tu veux dire de plus? 2 minutes. J'ai eu peur. J'ai cru que tu m'offrais un parfum d'homme. Ça va, ça prouve que t'as pas complètement viré le bord. C'est le parfum d'Emmanuel. Non, je déconne. Bon alors, qu'est-ce que tu voulais? L'article, t'as une adresse ou un endroit où on peut le trouver? Pas vraiment. Plutôt le genre gitan. Pourquoi? Parce que je comprends pas. Il suffisait qu'il ferme sa gueule pour qu'on relâche illico. Au lieu de ça, il joue au con. S'il est innocent, ça n'a pas de sens. Mais parce qu'il est taré, ce type, voilà. Ça fait pas de lui un meurtrier. Donc pour toi, après avoir baisé, Berthaud s'engueule avec son amant, qui quitte l'appart, l'autre le poursuit dans la rue, re-embrouille, et là-dessus, l'amant sort de sa poche un cutter, s'acharne sur le vieux et balance son corps dans la traboule. Je crois pas. Tu vois un autre scénar? Ben oui, après l'engueulade, Berthaud, qui voit pas revenir son mec, décide d'aller le chercher dans les bars à PD de Lyon, et finit par tomber sur l'article qui ressemble à son petit ami. Par des piles, le drague, voilà, ils quittent la boîte ensemble. Sauf que pourquoi l'article aurait tailladé comme un kebab? Parce qu'on est pile dans sa névrose, ça. Parce que pour l'article, Berthaud, c'est le vieil oncle qui a abusé de lui quand il était môme. Et donc, il lui fait payer. Et à mon avis, c'est pas fini. T'oublies un truc. Pas de preuves. Pas d'inculpation. Je le fais tomber pour quoi, moi, l'article? Pour schizophrénie? Je sais pas, pour ce que tu veux, enfin. Oui. Non, hein, tu sais qu'il faut qu'on se parle, là, je... Bouge pas, j'arrive. Excuse-moi. Je t'appelle. Bonjour. Depuis quand tu te conduis comme une racaille? C'est lui, il a essayé de pichoper Pénélope dans les chiottes. Mercadier. Patron, je déconne, demandez-lui. Mais monstre, enculé de sa race. Allons, allons. T'as pas le droit de me toucher, toi. Ça existe plus. C'est lui, maintenant. Mais c'est bon, on s'aspergeait juste avec de l'eau. Elliot, c'est juste un ami. Porter plainte? Avec un père flic. Je comprends pas. Non, je comprends pas, là. Ça veut dire quoi? Qu'il suffit de voir votre attitude pour comprendre que votre fils n'est pas le seul responsable de ses actes. Eric, s'il te plaît. Excusez-moi une seconde. Il a raison et tu le sais très bien. Pourquoi raison?
j'en ai collé une ou parce que je suis flic. Je trouve ça tout à fait normal qu'il soit puni pour ce qu'il a fait. Mais de quoi tu crois que ça parle, tout ça? Paco ferait n'importe quoi pour nous rassembler. Il a parfaitement réussi son coup. Attends, Anne, qu'est-ce que tu lui as dit? Est-ce que tu crois que j'ai eu besoin de lui dire quelque chose? Il va avoir 17 ans, Eric. Ça fait 15 jours qu'il voit sa mère effondrer sans le moindre signe de vie de son père. Anne, qu'est-ce que tu lui as dit? Tu dis que t'avais rencontré un homme, beau, intelligent, attentionné, qui t'avait enfin révélé à la vie. Je me trompe? Station B, on sait jamais. Lâche-moi. Écoute-moi, merde. Lâche-moi. Toi, t'es une merde. C'est Damien Ferrucci. Je suis sûr que c'est son sperme qui est dans le bide de Berthaud. Et alors? C'est toi-même qui m'as prouvé pas plus tard que ce matin que ça voulait strictement rien dire. Il y a l'Artigue. Oui, l'Artigue, c'est un pauvre taré. Et le légiste? Complicité de meurtre. Maquillage de preuves entravant l'action de la justice. Et corruption active d'un pauvre connard d'officier de police.
J'avais encore tellement de choses à te dire. Qui va me protéger, moi? Il y a eu l'enterrement ? Il n'y a pas d'enterrement. Elle a demandé d'être incinérée. Je sais que je ne devrais pas te demander ça, mais Emmanuel, le docteur Rivière refuse de prendre un avocat. Et ça me fait chier de l'interroger sans toi. Et Mangin ? Il a accepté. Attends de prendre une bouche. Docteur Rivière, la victime, Damien Ferrucci, a été formellement identifiée par la voisine de Frédéric Berthaud comme étant l'homme qui partageait la vie du professeur depuis plusieurs mois. Madame Legrand a également témoigné de la violente dispute qui aurait opposé les deux hommes dans la nuit même où Berthaud s'est fait assassiner, après un dernier rapport sexuel que confirme l'expertise ADN. Connaissiez-vous Damien Ferrucci, Docteur Rivière? Oui. Avez-vous été amant? Oui. D'après votre propre rapport d'autopsie, Frédéric Berthaud aurait succombé à un coup de couteau dans le cœur. Les 10 entailles au cutter post-mortem seraient l'œuvre d'un spécialiste, uniquement destiné à induire l'acte d'un dément. Fin de citation. Pourriez-vous être ce spécialiste, Docteur Rivière? Je parlerai avec le capitaine Mercadier, et lui seul. Tu te rends bien compte qu'on n'a strictement aucune preuve contre lui? Alors pourquoi il n'a pas dit qu'il connaissait Berthaud au moment de l'autopsie? Pourquoi il n'a pas réagi quand je lui ai présenté le portrait robot de Ferrucci? Pourquoi il me manipule depuis le début? Pour couvrir son ex, c'est tout. Dieu t'entende, mais... Sarah a raison. Sans ses aveux, on est obligé de le relâcher à la fin de sa garde à vue. Elle a tout joué, Rico. Ta collègue m'a prévenu. Tu sais à quel point Rose comptait pour toi. Je vous écoute. Comme vous voulez, capitaine. Hier, vers 17h, Damien m'a appelé pour me demander de l'aide. Parce que je vous ai dit exactement au téléphone. Quel genre d'aide? Financière. Il voulait s'expatrier au Canada. La veille du drame, il avait annoncé à Berthaud son intention de le quitter. Pourquoi? Jalousie pathologique. Berthaud pouvait être très violent. Donc il frappe Damien, qui lui balance un coup de couteau en plein cœur, il panique, il s'enfuit, réalise, et il t'appelle au secours. Non. Il est allé se planquer chez son frère. C'est par la presse qu'il a appris le drame. Tout l'accusait, il a vu le portrait robot, il a eu peur. C'est pour Berthaud que Ferrucci t'a quitté il y a 6 mois. T'attendais que ça, à pouvoir te venger. Et là, t'étais servi. Hein. Et puis Rose a son accident cérébral, tu la remplaces au pied levé. T'as la chance de ton côté. Le reste n'est qu'un sinistre jeu de manipulation pour brouiller les pistes.
C'est bien, ça a failli marcher. Failli seulement, Emmanuel. Eric, j'étais pas au courant des relations entre Damien et le professeur Berthaud, je te jure. Le sperme dans le ventre de Berthaud, tu l'avais pas identifié peut-être? Tu connais l'ADN de ta femme, Eric? Non, mais je suis pas légiste. Tu peux couper les micros? J'ai rien à cacher. C'est pas moi que t'essayes de détruire. C'est toi. Alors t'imagines le scénario idéal pour éviter de regarder la vérité en face? Mais t'es amoureux de moi, Eric. Manipulation. Et ça te dégoûte au plus profond de ton être. Manipulation. Et moi aussi, je t'aime. Je suis prêt à avouer tout ce que tu voudras. Manipulation. C'est que tu rentres? Comment je peux expliquer ça? T'as rien à m'expliquer. Ce que tu veux, c'est ta vie. Mais juste, donne pas de faux espoirs à maman. Elle en a séché comme ça. Dis-tu juste que la cérémonie a lieu demain à 15 heures au crématorium. Monsieur, t'as du feu? Merci. Hey, maman! Il paraît que ta sœur, hein, c'est une sacrée pipeuse. Gourmand, mec, je m'appelle Béchir et j'ai que des frères. Ah merde. Non, 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 en fait, c'est ta mère, autant pour moi. Ma mère, tu parles là? Une petite boulotte avec des gonibards. Hop, 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 lâche, lâche. Y'a que ça à foutre, hein, vous, hein. Je présente Rognard et Rouget, du rock'n'roll. Lâche-moi, toi, je le sais rien de mon oh, oh, Rico, tu sais ce qui va se passer si je te lâche? Ces deux guignols, ils vont se démerder pour glisser 30 grammes de dope dans ton jogging, si t'en as pas déjà sur toi. Ça y est, t'as complètement viré ta cutie? Quoi? Laisse tomber! On part pas aux enculés. Là, t'es qui, toi? Un flic?
Excusez-moi, c'est tard. C'est quoi cet embrouille? Désirez assister à la crémation. On a un gros problème, Rico. Sarah. L'appel a eu lieu il y a 2 heures. Sarah a foncé. Seule? Non, avec Lucas. Gars. Qui branlait au lieu de faire chier des mômes. Je lui ai dit de nous attendre, mais tu connais ça, hein. Comment ils ont pu se faire surprendre, bordel? C'est plus la question, Rico. Allez, allez. Combien de snipers? 2, commissaire. On vous attendait avant de débuter. Et les dégâts? On a de la chance, ils n'ont pas été prévenus. Ok, le procès arrive. Très bien, commissaire. Artigues. Vous voulez me voir, je suis là. Ah! Oh, capitaine! Mais seul, sinon je la fume comme une merguez! Il dispose d'un système de surveillance vidéo. Cet enfoiré contrôle absolument tout ce qu'on fait. Yeah.
Vas-y, toi, tu décides. Ou tu poses ton arme et je la relâche. Ou alors, on n'a pas le cul sorti des ronces. Vas-y, Rico. Tire. Ta gueule. Les six tirs de flics sont remplis de putes dans ton genre. Ils sont pris pour Jeanne d'Arc. Hein, doucement, doucement. Alcon Régis. Il est raisonnable, il est raisonnable, il est raisonnable. Ouais. Bien sage, bien sage, bien sage, bien sage. Allez, recule, recule. Un pas en arrière, capitaine, un pas en arrière, capitaine. Recule. Recule. J'ai un petit truc à te montrer avant le happy end. Allez. Les mains sur la tête. Voilà, escalier. Allez, on va descendre au sous-sol. Hein? Hey, ça va, ouais, non, allez. Regarde, regarde. Je présente le propriétaire, un client. Mais comment t'as pu imaginer une seconde que c'était cette petite flotte de ferroussi qui avait massacré ce gros port de perto? Hein? Il faut des armes pour ça! Il faut beaucoup de souffrance. Il faut une énorme paire de couilles. Mais tu me comprends, toi? Hein? Je l'ai vu dans ton regard, t'es une victime. Un enfant perdu dans un corps de monstre. Ainsi font les petites marionnettes. Ainsi font trois petits tours. T'es sûr de ce que tu vas faire? Tu parles de quoi? De ma démission? Et du reste?
Thank you.